disponible depuis près d'un mois, The Last of Us Partie 2 est déjà terminé pour une grande partie des fans de Naughty Dog qui l'ont attendu pendant 4 ans depuis son annonce en décembre 2016. Et tout naturellement, les fans commencent à se poser des questions sur la suite et surtout, quel sera le prochain projet de Naughty Dog. Alors, tout au long de ce dossier, nous allons revenir sur les différentes possibilités de Naughty Dog. Cependant, nous n'allons pas aborder l'année où les jeux pourront potentiellement être annoncés et l'année où ils pourront potentiellement sortir. Pour la simple et bonne raison que nous avons déjà réalisé cela dans notre dossier sur les 7 années d'attente pour The Last of Us Partie 3. N'hésitez pas à retrouver ce dossier sur la petite fiche en haut de votre écran ou directement dans la liste de nos dernières vidéos. Lançons-nous désormais dans ce dossier et cette fameuse question: que peut-on attendre pour l'après The Last of Us Partie 2 ? Première option, qui n'en est pas vraiment une, c'est un DLC pour le jeu. Alors pour cela, on va aller très vite et on va avoir tendance à dire que c'est un non catégorique. Que ce soit pour The Last of Us, premier du nom, avec Left Behind, ou encore avec Uncharted 4 avec The Lost Legacy, avant même la sortie des deux jeux, Naughty Dog avait annoncé qu'un DLC était au programme pour les mois qui suivaient la sortie des jeux. Pour The Last of Us Partie 2, aucune communication avant la sortie du jeu, mais une déclaration de Neil Druckmann, vice-président de Naughty Dog, après la sortie de ce dernier qui annonçait qu'aucun DLC n'était prévu pour The Last of Us Partie 2. Alors autant vous dire que ce n'est pas une option qui sera trop envisagée de notre côté. Cependant, on peut tout de même s'attendre à un stand-alone uniquement multijoueur, un The Last of Us multiplayer en quelque sorte, ce qui a du sens et qui, selon nous, est forcément en développement. Pourquoi ? Tout simplement parce que Naughty Dog a annoncé en septembre 2019 que The Last of Us Partie 2 était un jeu solo, uniquement solo, et qu'il ne disposerait pas de multijoueur. Suite au retour assez négatif de certains joueurs, Naughty Dog a publié un nouveau communiqué de presse. Cette fois, il était indiqué que les équipes adoraient le système de factions et que ces dernières pouvaient potentiellement travailler sur quelque chose qui pourrait arriver après la sortie du jeu. Et quelques semaines plus tard, on découvrait par l'intermédiaire d'offres d'emploi que des offres concernaient le jeu en ligne. Et quelques temps après la sortie du jeu, il y a donc quelques jours, Neil Druckmann a annoncé qu'aucun DLC n'était au programme. Cependant, ce dernier a annoncé dans la même interview que l'arrivée d'un multijoueur indépendant du jeu n'était pas impossible. Seconde option, c'est le portage de The Last of Us Partie 2 sur PS5. Et là encore, nous n'allons pas vraiment nous étendre pour la simple et bonne raison que cela semble tout à fait logique qu'un The Last of Us Partie 2 arrive sur PS5. Que ce soit en version boîte pour les joueurs qui n'ont pas eu de PS4 et qui n'ont donc pas acheté le jeu sur l'ancienne génération, ou que ce soit via une mise à jour gratuite pour les joueurs qui possèdent d'ores et déjà leur jeu sur PS4 et qui ont déjà joué. Le tout pour profiter d'un jeu largement optimisé, en 4K, 60 FPS et adapté avec le ray tracing et le SSD de la PS5. On peut alors imaginer que c'est lors de la sortie de cette version boostée au cours de l'année 2021, voire à la fin de l'année 2021, que le multijoueur pourrait être lancé. Troisième option, Uncharted 5. C'est une licence tellement aimée et chère dans le cœur des joueurs PlayStation et des fans de Naughty Dog. Nathan, Elena, Sully, Sam ou encore Chloé et Nadine, Uncharted est un peu la Madeleine de Proust des fans de Naughty Dog. Et forcément, après Uncharted 4 en 2016, nous sommes tellement nombreux à vouloir retrouver Nate. Et hélas, il y a très peu de chances que cela se fasse. En effet, en 2016, pour la sortie d'Uncharted 4, Naughty Dog a été clair. L'arc narratif de Nathan Drake est terminé. Le titre, La fin d'un voleur, parle de lui-même. Même si un nouvel Uncharted arrive, ce ne sera pas un Uncharted 5. Du moins, s'il porte la mention 5, ce sera purement marketing, mais l'histoire de Drake est terminée, selon les Dogs. Alors oui, on pourrait avoir un spin-off sur les traces du stand-alone The Lost Legacy, mettant en scène d'autres personnages comme Chloé, Nadine, et pourquoi pas Sully et Sam, ou bien encore Cassie, la fille de Nate et Elena, avec deux ou trois caméos de son papa et de sa maman, qui suffiraient à hyper n'importe quel fan de la saga. Quoi qu'il en soit, Naughty Dog a été assez flou autour de l'avenir de la licence Uncharted. Au départ, les Dogs étaient très catégoriques en disant que la licence Uncharted s'était terminée. Puis par la suite, les Dogs précisaient bien qu'il s'agissait de l'histoire de Nate qui était terminée. Alors, un nouvel Uncharted est peut-être probable, d'autant plus qu'en début d'année 2020, Neil Druckmann annonçait en plein live qu'un nouvel Uncharted n'était pas exclu désormais chez Naughty Dog.
Affaire à suivre donc, bien que de nombreuses rumeurs annoncent que Sony San Diego Studio, un studio first party de PlayStation, travaillerait depuis maintenant plusieurs mois sur une suite d'Uncharted en collaboration avec un autre grand studio spécialisé dans la narration. Et si finalement Naughty Dog portait main forte à Sony San Diego pour le développement d'un nouvel opus ? Affaire à suivre. Quatrième option, Jack 4. On voit également beaucoup de personnes nous dire qu'ils espéraient un Jack 4. Hélas, pour cette option-là, on va encore aller très vite et être pas très optimiste en disant que c'est mort. Car oui, Jack 4 fut bel et bien en développement sur PS3 entre 2010 et 2012, mais ce dernier fut annulé car il ne correspondait plus aux objectifs de Naughty Dog. C'est suite à son annulation que le développement de The Last of Us fut lancé. Si vous êtes intéressé de connaître les informations autour de Jack 4, n'hésitez pas à voir ou revoir notre documentaire sur le jeu qui s'affiche en haut de votre écran ou directement dans la liste de nos dernières vidéos. Cinquième option, The Last of Us Partie 3. Alors voilà déjà deux vidéos que l'on vous en parle et donc c'est dans une troisième vidéo que l'on aborde The Last of Us Partie 3. Il s'agit effectivement d'une option souhaitée par des millions de joueurs qui ont déjà craqué et terminé le second opus. Que ce soit par ceux qui ont adoré le jeu pour prolonger le plaisir ou que ce soit par ceux qui ont été déçus pour que Naughty Dog puisse se racheter. De notre côté, nous n'allons pas spoiler quoi que ce soit concernant The Last of Us Partie 2 et nous allons juste citer Neil Druckmann qui, au cours d'une interview début juin, a déclaré « Lorsque les choses commencent à être bouclées, il y a de moins en moins de responsabilités créatives et mon esprit ne peut s'empêcher de penser à ce qui viendra ensuite. » Donc oui, la prochaine étape pourrait être une partie 3 ou ça pourrait être une nouvelle licence. Donc, les déclarations de Neil Druckmann parlent d'elles-mêmes, c'est tout à fait possible et on espère que les Dogs ont de belles idées derrière la tête. Sixième option, un retour de Crash Bandicoot. Alors oui, même si c'est très loin d'être ce que l'on nous demande le plus en question, certains joueurs pensent encore qu'en 2020, Crash Bandicoot a un jour appartenu à Naughty Dog et que c'est encore eux qui développent la licence. Alors bien que Naughty Dog a développé 4 jeux Crash Bandicoot entre 1996 et 1999 avec Crash, Crash 2 Cortex Strikes Back, Crash 3 Warped et Crash Team Racing, il faut savoir que la licence n'a jamais appartenu ni à Naughty Dog ni à Sony. Il s'agissait en réalité d'un partenariat entre Universal Interactive, Sony Interactive Entertainment et Naughty Dog. Et dès 1999, après la sortie de Crash Team Racing, Universal a stoppé l'accord pour développer lui-même la licence de leur côté et sortir Crash Bandicoot sur plusieurs plateformes. Un choix bien entendu qui ne sera pas gagnant quand on verra comment la qualité de la licence va dépérir au fil des années, mais historiquement, depuis sa création en 1996, Crash a toujours appartenu à Activision puisque Universal est devenu en 2001 Vivendi et que Vivendi s'est fait racheter par Activision en 2008. Ainsi, le Crash Bandicoot 4 It's About Time annoncé le mois dernier et qui arrivera en octobre 2020 n'est pas une création Naughty Dog, tout comme les remakes des trois premiers Crash Bandicoot dans la Ensign Trilogy en 2017 ainsi que le remake de CTR dans Nitro Fuel en 2019, ce ne sont pas des productions Naughty Dog. Septième et dernière option, la nouvelle licence. Cela fait déjà plusieurs années que Naughty Dog y songe, depuis la fin d'Uncharted 3 où Naughty Dog hésitait entre Jack 4 et deux autres nouvelles licences. D'un côté, une licence de science-fiction futuriste dont là encore, cette idée fut développée pendant plusieurs mois par les Dogs et dont nous allons très bientôt vous en parler à travers un gros dossier sur Naughty Dog Mag. De l'autre côté, une licence post-apocalyptique qui finira par voir le jour en 2013 et il s'agit bien entendu de The Last of Us. Et depuis encore quelques années, des rumeurs d'un jeu dans l'espace et d'une visite de Naughty Dog à la NASA affolent également les fans. L'option d'une nouvelle licence semble donc très probable, surtout que cela fait donc aujourd'hui 7 ans que les Dogs n'ont pas proposé de nouvelles IP. Et historiquement, depuis la création du studio en 1984, c'est la première fois que le studio reste aussi longtemps sans proposer de nouvelles licences. Au final, pour le bilan, sur ces 7 options, 4 semblent très probables. Tout d'abord, le développement d'un multijoueur et d'une version PS5 de The Last of Us Partie 2. Ensuite, soit le développement de The Last of Us Partie 3, soit le développement d'une nouvelle licence. Parmi ces 7 options, il y en a une qui reste
possible, bien qu'elle soit assez faible, c'est le nouvel opus d'Uncharted. Cependant, une collaboration avec Sony San Diego sur un Uncharted reste très envisageable. Enfin, pour ce qui est des deux dernières options, qui sont elles très très compliquées et même impossibles, il y a Jak 4 et Crash Bandicoot, et ça c'est définitivement des options mortes et enterrées selon nous. Mais qui sait, peut-être que sur un malentendu, on pourrait retrouver Jak. Voilà pour ce nouveau dossier autour des prochains jeux Naughty Dog. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel jeu vous aimeriez le plus voir arriver et si vous préférez une nouvelle licence ou non. En attendant, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous !